Bien, salut tout le monde, c'est CPX Cup et aujourd'hui on se retrouve pour un petit glitch et un spot sur la map Érosion. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait de petit glitch. Alors, je tiens à préciser tout de suite que je vais essayer de l'envoyer à la glitch à KFR et puis j'espère qu'ils l'accepteront. Bon, alors pour commencer, il faut faire le petit truc avec les colis stratégiques sur Érosion pour pouvoir sortir de la map. Une fois fait, vous allez à l'endroit où je me dirige. C'est sur le petit, l'espèce de petit bâtiment. Qui est en plein centre de la map sur le côté le plus à droite ou le plus à gauche, ça dépend de là où on se trouve. Alors là, vous montez la petite montée, elle est un petit peu raide, mais vous pouvez monter facilement. Vous vous mettez bien en coin, vous sautez sur le petit muret juste à votre gauche. Je me suis un peu fail dans l'enregistrement. Voilà, là vous montez sur ce petit mur, et là vous pouvez monter sur ce petit rebord, et puis après vous êtes sur un petit toit. Vous sautez ici, vous atterrissez in map, vous n'êtes plus out of map, donc faites attention de ne pas tomber sur le côté là. Ni de tomber à droite, parce que sinon il faudra refaire tout le chemin, puis ça serait un peu embêtant et un peu long à refaire. Donc après, vous longez bien le long du mur. Voilà. Là, faites attention de ne pas aller trop à droite, sinon vous tomberez, et puis il faudra tout refaire le chemin encore une fois, et puis c'est assez chiant à faire. Là, vous laissez tomber sur le petit rebord, et vous êtes déjà dans un petit spot qui est plutôt pas mal. Là, vous sautez sur le rebord gris. Alors là, vous êtes déjà sur un bon petit spot, il est plutôt pas mal. Là, je vous ai vu, je me suis un peu quand vous avancez plutôt, excusez-moi, ça vous bloque un petit peu, vous décalez un peu vers la gauche mais pas beaucoup sans tomber comme là encore une fois, et puis vous tout en avançant, et puis ça devra vous débloquer. Puis là ici par contre vous ne pouvez pas aller plus loin, vous restez bloqué contre le petit rebord. Donc c'est un petit glitch, enfin un petit spot que j'ai trouvé tout seul en visitant un peu en out of map cette map. Il est plutôt pas mal, vous pouvez pas faire grand chose, mais vous voyez quand même bien la map. Vous pouvez le faire online ou offline avec en multijoueur, en écran scindé, tout ça. Moi personnellement, j'étais en écran scindé là. J'ai essayé de le faire en ligne, il marche bien. Donc ça vous fait un bon petit spot pour les MME et tout ça. Vous avez vu qu'on peut repartir dans les deux sens. Et puis là, je vais vous montrer comment aller sur la porte qui est juste, enfin l'espèce de contour de la porte. Vous allez voir, c'est pas très dur, vous avez juste à faire un petit saut comme il faut là. Prenez une insertion tactique. Par contre, évitez de vous faire griller parce que vous n'êtes pas trop bien caché, mais vous voyez quand même bien la map. Là, vous mettez ici, vous devez sauter là. Maintenant, je maîtrise un peu mieux, mais il faut pas se laisser tomber comme une merde comme ça. Il faut que vous fassiez un petit saut. Donc, oui, j'avais dit que j'envoyais la glitch à KFR. J'espère qu'ils l'accepteront. C'est un petit spot plutôt sympa. Et puis, bah, je les remercie d'avance s'ils acceptent de l'uploader sur leur chaîne. Là, vous sautez, voilà, vous êtes sur le contour de la porte, c'est plutôt pas mal, enfin, c'est un peu moins bien que le reste. Là, là je voulais vous montrer à vue de l'autre personnage, sauf que j'ai pas réussi à mettre sur l'autre vision, c'est pas grave. Et là, en fait, comme vous êtes déjà en camouflé, puisque vous êtes sniper, bah, on vous voit quasiment pas du tout, donc c'est vraiment un bon petit spot. Et puis là, vous pouvez monter sur le truc gris. Et puis voilà, en espérant que ce petit glitch vous aura plu, et puis. N'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner. Sur ce, bye tout le monde, à la prochaine, ciao.